Eh ben, salut tout le monde, c'est LesGamer54, on se retrouve pour la suite de cette aventure sur The Evil Within 2. Évidemment, déjà le cinquième épisode, les amis, c'est... On avance pas mal. Pour le moment, on peut pas trop dire qu'on est un peu en retard. Voilà, on s'est arrêté avec la rencontre de la seule survivante avec O'Neill, qui est des Modus, parce que sinon, tous les autres s'étaient fait assassiner par... Par Stefano, évidemment, qui s'appelle maintenant le photographe. Et du coup, j'espère que vous kiffez cette aventure. Moi, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Et du coup, O'Neill nous a dit qu'il faut aller un peu au théâtre. Parce que je crois que Stefano est reparti là-bas, dans les coins-là, pour se cacher, à mon avis, ou pour préparer un mauvais plan. Pour essayer de nous attaquer ou peut-être pour aller chercher Lily pour changer de place. Et du coup, bah c'est parti, on va aller au théâtre, hein, du coup. Et en tout cas, les amis, je suis vraiment très très heureux. Alors je tourne à la suite, hein, pour ceux qui savent pas à peu près. Du coup, je vois pas vos commentaires. Ça se trouve, vous me direz, viens, les gamers, j'ai oublié ça, ou si, ou... Voilà, désolé. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous êtes à fond dans ce... Dans ce let's play, en tout cas, je vous promets, les amis, je vais pas faire comme le 1, ça veut dire abandonner, parce que voilà, j'avais déjà fini ce jeu, du coup, vous êtes sûr de voir le let's play en entier. Du coup, tu qu'on sauvegarde, ça par contre, on prend. Ah, c'est le miroir qui a pété, ouais. Le miroir, bon, ça m'intéresse pas si. Non, on va pas le faire. Par contre, on va passer juste un petit coup de sauvegarde, des amis. Voilà. Parce qu'en plus, je... Bon, ça, je vous promets tout... Là, je vous dis tout de suite, les amis, ça va être vraiment un petit épisode. Ça va être pas un gros épisode de une demi-heure, 40 minutes. Parce que voilà, j'ai plus beaucoup trop de temps. Du coup, c'est pour ça que j'enchaîne rapidement les épisodes. Après, ça va être un peu compliqué. Si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, je veux équiper mon truc. Je peux pas l'équiper. Équiper. J'appuie sur crainte, ça marche pas, les amis. Ah purée. Ça refait le même bug que la première fois, quoi. Bon, j'essaierai tout à l'heure. On va pas passer nous-mêmes non plus tout notre temps en train de sortir un équipement. Du coup, on est sorti. Du coup, le théâtre, c'est où? Le théâtre, c'est... C'est ici? Ok, c'est là. Du coup, on a mis le petit point pour me repérer. Ah oui, c'est bon, je me rappelle le chemin. Je me rappelle très très bien. Respecter son art, hein? C'est le moment d'essayer la théorie d'Hoffman. Et voilà, les amis. Nous sommes au chapitre 7. Bon, ça nous surprend plus, en tout cas. Bon, en tout cas, ça me surprend plus, hein, évidemment. Voilà, par contre, je sais pas du tout, il faut que je fasse quoi. Ah si!
Si, c'est bon, je me rappelle les amis à peu près. Il faut chercher les endroits où il y a les tableaux. Et puis il faut faire pour faire disparaître. Ok, c'est bon. Par contre, je sais plus où ils sont, où les tableaux. Parce qu'en fait, il faut chercher les tableaux pour les enlever, pour les désactiver. Ah ouais, ça va être long. Ça va être long, ça va être chiant. Ah, point de reconnaissance. Alors, œuvre, voilà, c'est ça. L'œuvre, ah, c'est quoi? C'est ouais, localisation. Toc et toc. Ok. Du coup, ouais, là-bas déjà, c'est bien ça en fait. En fait, à chaque pièce qu'on va aller, il y aura le même tableau. Il faut juste le désactiver pour enlever, et puis après, on pourra passer enfin dans le théâtre. Mais bon, je pense que je pense pas que je vais faire, je pouvais pouvoir. Wow! Oh purée! Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit que ça va être un peu compliqué. Cours! Va te mettre à l'abri, mon petit. Assez, 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 assez. Aïe, 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 elle fait trop mal. Vite. Oh purée. Alors là, les amis, je vous dis tout de suite, ça va être. Je pense qu'on fera ça en deux parties. Parce que ça va être un peu long. Et puis, comme je vous ai dit au tout début de l'épisode, j'ai pas beaucoup de trop de temps du coup je pense que je ferai ça en deux parties en deux parties de théâtre si je peux faire les au moins les deux tableaux avant de partir, ça serait déjà pas mal. Enfin, avant d'arrêter l'épisode, en faisant les deux tableaux, ça serait déjà un bon point. Parce qu'après le théâtre, je me rappelle, c'est très très long. Du coup, je pense que c'est soit je fais ça en deux parties, ou soit ça va durer un peu plus longtemps. Mais bon, après, c'est pas trop grave. Comme je vous ai dit, on prend quand même. On a tout le mois d'août pour finir. Du coup, voilà. C'est pas comme si. C'est pas comme si on devait finir d'ici 2-3 jours. Ouais. Alors, il faut chercher une clé. Et là par contre ça me fait peur parce que vous avez vu le monstre qui était en train d'avancer, ça me fait un petit peu flipper. Bon voilà la clé. Et oui Esteban, tu as vu. Ah purée c'est lui. Bon ça va, c'est pas un monstre compliqué. Mais bon, nous la seule chose qu'on va faire c'est fuir, on va aller jusqu'au tableau. Évidemment, regardez, comme par hasard, ça ferme. Oh non! T'es sérieux? Là, c'est bon. Vas-y. Vas-y, Esteban. Dépêche-toi. Vas-y. Voilà. Putain, perdre un peu de vie comme ça. Ah, j'ai vraiment pas de chance. C'est pas grave. Or. Voilà. Alors là par contre les amis,
Voilà. C'est les endroits où j'ai beaucoup, bah pas beaucoup galéré parce qu'en fait je comprenais pas trop en fait le principe. Et ça se trouve j'ai encore un peu galéré malheureusement. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Pour un peu me redonner un peu de santé, ça serait pas mal. Voilà. Alors. Faut pas que je fasse d'erreur, parce que sinon, bah, ça va être compliqué. Je vais faire le tour encore. Et voilà, nickel. Et voilà, le premier tableau, celui à l'entrée, est cassé. Du coup, il m'en manque un à faire, c'est bah, le deuxième tableau, tout simplement. Attendez, je reviens, c'est juste que quelqu'un il vient vers moi, et puis après je reviens vite. À tout de suite. Bon, les amis, je sais pas si on peut rentrer tout de suite. Ah non, il y a une clé. Vous savez quoi, les amis? Je vais couper ici. Je vais faire en deux parties. Je tente juste faire une deuxième partie de l'épisode. C'est l'épisode 5, je dis pas de conneries. Voilà, il y aura en deux parties comme j'ai fait pour la partie 2. Voilà. Comme j'ai fait pour l'épisode 2, il y aura en deux parties. Et puis, bah, on se dit à tout de suite, les amis.